qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Père. Et nous venons humblement devant de toi avec des cœurs reconnaissants. Parce que nous savons, Seigneur, que tu nous aimes et que tu nous as aimés, ô Dieu, avant que nous puissions faire ni bien ni mal. Ton onction, Seigneur, et ton élection sont venues vers nous. Alléluia! Seigneur, nous sommes ici, Père, pour témoigner de cette élection. Et ça pour nous. C'est ainsi, ô Père, que nous sommes rassemblés en ces lieux. Amen. Parce que nous savons, Père, que dans ton amour, lorsque cet amour s'est élancé, cela a conduit Jésus-Christ à la croix. Alléluia! Il a donné sa vie, Père. Et de cette vie qui a coulé, Seigneur, ô Dieu, un message a été produit. Et de ce message, ô Père, un peuple est influencé, ô Dieu. Et nous faisons partie de ce peuple, ô Dieu, que tu as visité en ce jour, au travers de ce message précis. Amen. Ô mon Dieu, alors que nous venons ici, Père, ce n'est juste ni pour rencontrer un homme, ni pour nous voir les uns les autres, mais pour venir te rencontrer toi, Amen. La vie éternelle et Dieu véritable. Amen. Ainsi, Père, alors que ta parole va sortir, je te prie, Seigneur, de pouvoir rejoindre cela. Amen. Afin que, ô Père, les besoins qui sont dans les cœurs de chacun puissent rencontrer, ô Dieu, la solution en ces lieux. C'est toi qui nous as promis que tu es l'époux de nos âmes et que tu vas pouvoir, ô Dieu, aux besoins de ton épouse. Amen. Et nous sommes ton épouse. Et tu as pourvu à notre besoin au travers de la parole que tu as donnée. N'est-ce qu'ainsi, Seigneur, cette semence du royaume puisse trouver dans les cœurs de chacun les gens de terre qu'il faut, afin qu'ils puissent produire les fruits. Nous voulons, Seigneur, alors que nous sommes rassemblés ici, que cette nuée et cette colonne de feu puissent remplir chacun d'entre Amen. Nous, afin que, ô Père, quel que soit l'âge que nous avons, que nous puissions être des véritables témoins de Jésus-Christ. Ça sera, Père, ô Dieu bien-aimé, que nous sommes concernés de témoigner de ta puissance et de ta puissance. Parce que nous voulons tous, ô Dieu, te connaître. Mais guéris les malades au milieu de nous, Amen. Seigneur. Ô Dieu, libère les captifs au milieu de nous, Amen. Dieu. Établis ton peuple, Père. Sois un roi béni, Seigneur, ô Dieu. Nous prenons possession, Seigneur, ô Dieu, de ces lieux, ô Père. Et nous condamnons tout esprit qui ne te confesse pas. Te demandant, Seigneur, ô Dieu, de nous voir librement, Seigneur. Sois avec chacun de nous. Sois avec nous, Dieu, dans la lecture de la parole et dans tout ce qui sera fait ici, Père. Laisse que tout ce qui sera dit et ce qui sera fait, Père, ne soit pour un seul but, ta seule gloire, toi et toi seul. Quand te Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons sans plus tarder, comme il commence à faire chaud, juste ouvrir le livre de l'adoption en premier. Parce que j'ai dit que frère avant que la réécriture, je me suis dit, oh là là. Et je remercie le Seigneur. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Amen. On a vu la prière de l'écriture. Alors, je suis content et dit, ok. Je m'attends au Seigneur pour qu'il puisse me bénir avec ses écritures. Alléluia. Nous ouvrons le livre dans le psaume 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er. Amen. Je ne sais pas si tout le monde est déjà là. Ça, je peux lire. Amen. Psaume chapitre 1er. Et nous allons commencer au verset 1. Alléluia. Le nom du Seigneur, et vous pouvez lire ensemble avec nous. Heureux de l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des menteurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia! Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait est réussi. Amen. Il n'arrête pas ainsi les méchants. Ils sont comme la paille et les grands disciples. Amen. Amen. Nous allons encore trouver quelques pages dans notre Bible. Nous allons partir dans 1 Corinthiens. Amen. Chapitre 15, et nous lirons juste le verset 33. Nous sommes toujours dans notre sujet, la vie des grands hommes. Et aujourd'hui, nous allons voir l'influence de la compagnie. 1 Corinthiens 15, juste le verset 33, c'est là où nous allons lire. Je ne sais pas si tout le monde est là. Ok, lisons alors ensemble. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen.
Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Je remercie le Seigneur pour la santé, parce qu'il nous a gardé. Amen. Ensemble, nous pouvons encore retrouver un Seigneur. Ça montre que notre Dieu nous garde, nous protège et nous donne de son amour. Amen. Frère Giraud, encore un joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse les jours qui sont devant toi. Amen. Amen. Donc, comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier notre petit sujet que nous avons intitulé le psaume de la vie, ou bien la vie des grands hommes. Et dans cette vie des grands hommes, pourquoi cette étude? C'est parce que je crois de tout mon cœur que ce message est capable de produire Jésus-Christ. Amen. Ce message, si vous le recevez dans votre cœur, va produire Jésus-Christ. Parce que nous l'avons vu lorsque le prophète a reçu ce message. Amen. Et je pense que ce message est une semence. Voici pourquoi Fomana nous a prêché, nous a dit la parole parlée est la semence originelle. Et cette semence originelle, lorsqu'elle est plantée dans la bonne terre, elle est produit que Jésus-Christ. Parfait. Et c'est pour ça que Dieu voulait voir d'autres fils. Parce que Jésus n'est pas venu comme le seul fils de Dieu. Il est venu parce que la Bible dit, une fois qu'il aura donné sa vie, alors il verra sa semence. Amen. Afin que les autres fils de Dieu puissent aussi être manifestes. Et dans cette phase de l'histoire du christianisme, amen, Dieu nous a envoyé le message. Amen. Et ce message est venu pour amplifier nos vies, pour rendre nos vies sublimes, pour rendre nos vies surnaturelles, pour faire de nos vies quelque chose de particulier. De sorte que quand quelqu'un croise un croyant message, il dit est-ce qu'il existe encore ce genre de personnage? Alléluia! Et lorsque nous avons parlé de la famille ici, nous avions montré que Moïse avait demandé à Israël de prendre chacun un agneau. Et cet agneau n'était pas un agneau simplement pour le père, c'était un agneau pour toute la maison. De sorte que le Dieu que nous adorons n'est pas seulement le Dieu que papa adore seul, que maman adore seul, mais c'est le Dieu de la maison. Amen. C'est pour ça que devant Israël, il s'est montré comme étant le Dieu d'Abraham. Et le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac est devenu le Dieu de Jacob. Et le Dieu de Jacob est devenu le Dieu de Joseph dans la perfection. De sorte que il doit être le Dieu de la famille. Amen. Et ce Dieu de la famille veut rendre nos familles sublimes. Des familles qui portent un nom. Et vous savez que le seul nom que nos familles portent, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, la famille au ciel et la famille sur la terre portent un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Or, nous ne pouvons pas porter le nom de Jésus-Christ si nous ne sommes pas Jésus-Christ. Et ainsi, ce message est venu pour que Jésus-Christ devienne vous. Parce que la Bible dit, il a pris votre place afin que vous puissiez prendre sa place. Amen. Nous avons commencé à voir ici que lorsque la vie commence dans une maison, la première des influences qu'un enfant recevra sera l'influence des parents, l'influence de la maison. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Et remarquez, lorsque cet enfant est petit, il va passer dans une phase d'innocence. Et Frère Madame nous a dit que la base de sa vie ne va pas commencer à enregistrer quoi que ce soit. Donc il y a une phase où Dieu ne va pas enregistrer quoi que ce soit dans la vie de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore dans une position de responsabilité. Et dans cette étape de sa vie, les personnes responsables, ce sont les parents. Et les parents, Dieu compte sur eux afin qu'ils puissent instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Parce qu'ils doivent lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera plus âgé, la Bible nous dit, il ne va pas s'en détourner. C'est quelque chose qui va rester dans son cœur. C'est pour ça que je vous ai dit que vous devez faire attention. Lorsque l'enfant est petit, c'est là où la base de la parole doit être placée. Le fondement fondamental, c'est là où il doit être placé. Il faut qu'il y ait tellement d'inséré avec Dieu dans la maison, que cela puisse impressionner sa vie. Même s'il grandit et qu'il n'écoute pas complètement, il y aura toujours une voix qui reviendra le tourmenter. Et cette voix-là doit déjà commencer quand on est petit.
Vous savez, c'est une grâce, je ne cesserai de le répéter, d'avoir des parents qui connaissent Dieu. Parce que lorsque vous avez des parents qui connaissent Dieu, ils peuvent déjà, dès le début, vous montrer les chemins à suivre. Et si vous suivez ces chemins, vous n'allez jamais rougir. Vous allez plutôt au contraire en avançant dire merci Seigneur pour mon père, merci Seigneur pour ma mère, parce que grâce à eux, j'ai pu marcher d'une manière droite. Et remarquez maintenant, il va arriver. Vous savez, comme nous sommes sur la terre, nous savons que nous avons aussi des responsabilités par rapport à la vie terrestre. C'est pour cela que Branham nous dit, le premier conducteur d'un enfant, c'est d'abord les parents. William Branham nous dit, on commence par la maman. Le rôle de la maman, comme Branham le dit, c'est de montrer beaucoup d'amour à l'enfant. William Branham nous a montré ici le conseil, de ne pas laisser le bébé pleurer en disant, comme les médecins disent, laissez-le pleurer, il n'en mourra pas. Il dit, ne faites pas ça. Il dit, montrez-le de l'amour, gâtez-le, portez-le, de sorte qu'en grandissant, le bébé n'a pas une goutte. Mais lorsque l'enfant commence à grandir, il doit passer de l'amour de maman à la sagesse de papa. Amen. Papa doit lui montrer, voici la voie. Et papa doit être dans la formation de l'enfant. Frère Branham me dit, hein, j'aime mon père, parce que mon père croyait dans le fait de former l'enfant. Il faut que l'enfant apprenne à écouter papa. Et si jamais il n'écoute pas papa, il faut que papa puisse amener la répression. Branham nous a dit, mon père avait toujours le bâton qui n'était pas loin. Il était accroché à la porte de la maison et nous savions ce que cela signifiait. Et d'ailleurs, il dit, si mon père s'est réveillé, si je peux avoir l'occasion de le voir, il dit, je le serrerai dans mes mains. Et je lui serrerai la main en lui disant, les coups que tu m'as donnés m'ont évité beaucoup de folie. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et le bâton du papa la préserve. C'est pour ça que nous croyons à la vieille évangile. C'est cet évangile qui a produit John Wesley. C'est cet évangile qui a produit Moïse. C'est cet évangile qui a produit tous les grands hommes que vous voyez dans la Bible. Et non pas des conseils des hommes qui se pensent intelligents aujourd'hui. La Bible dit, garde le bâton loin de ton enfant et tu vas les garder. Et un jour, quand il grandira, il va marcher sur ton cœur. Et nous ne voulons pas qu'il grandisse en marchant sur notre cœur. C'est pour ça que nous voulons, quand ils sont déjà petits, leur montrer la voie à suivre. Et quand ils n'écoutent pas la voix du papa, on lui rappelle qu'ici on a une sagesse. Et la sagesse, c'est la doctrine. Et la doctrine, c'est la voie obligée. Et que si tu n'écoutes pas papa, papa te promet. Ton ami, si tu le promets, si tu n'écoutes pas, je te frapperai. Il dit que tu dois le faire. Parce que tu lui as donné une promesse et que toi, tu es sérieux dans ce que tu fais. Mais maintenant, vous devez comprendre que chaque 7 ans, la vie d'un être humain change. Dès que vous êtes, vous avez déjà subi beaucoup de changements. À chaque fois que vous passez 7 ans, vous allez passer d'une étape à une autre. Et remarquez un enfant qui va commencer de 0 à 6 ans, il sera dans une position. Mais il y a une 7e année qui arrive. Déjà à 6 ans, cet enfant doit maintenant quitter la maison. C'est vrai qu'ici, je vous ai montré qu'il y a un parcours qui le fait quitter bien avant. Mais à 6 ans, c'est là où il était préparé maintenant pour quitter la maison. Parce qu'il va quitter la maison pour aller où? Il va quitter la maison pour aller à l'école. Et comme nous avons appris ici, l'école ne nous éduque pas. Amen. L'école nous instruit. C'est pour ça que vous devez faire attention. Il faut que l'enfant qui quitte la maison, qui va à l'école, puisse déjà avoir le fondement ou l'éducation de la maison. Vous devez savoir que vous êtes ce qu'est votre maison. Votre maison est ce qui vous influence. Vous ne serez rien d'autre que cela, si ce n'est la grâce de Dieu. Branham dit, si ce n'était pas la grâce de Dieu, il allait finir ivrogne, parce que ce n'était pas seulement son père. C'était quelque chose qui était dans la famille. Et souvenez-vous, nous avons en tant que parents la responsabilité de vivre droitement et de mettre ce qui est correct devant les enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de poser un fondement dans leur vie. Nous sommes en train déjà de mettre les bases de ce qu'ils seront demain. Maintenant, quand on arrive à l'école, pourquoi nous les envoyons à l'école? Si l'école n'était pas importante, moi j'allais garder les miens à la maison. Parce que l'école est un lieu dangereux. Oui, on va rencontrer des gens avec n'importe quelle éducation. Surtout en ces jours-ci. Beaucoup d'enfants
C'est à l'école où ils vont apprendre toutes les mauvaises choses qui vont poursuivre leur vie. C'est l'école. Parce qu'à la maison, si papa tient son rôle et maman tient, il n'aura pas le temps de faire ça. Mais arrivé à l'école, il va rencontrer tout un tas de monde. Laissez-moi vous dire les choses clairement, les enfants. À l'école, nous vous y envoyons pour l'instruction. Pour que vous puissiez demain vous débrouiller dans la vie. À l'école, le but de l'école, ce n'est pas y aller chercher des amis. Est-ce que vous comprenez? Le but de l'école, c'est aller pour être instruit. Il y en a qui vont là-bas, qui n'étudient pas leurs leçons, ils passent le temps à chercher des copains. Alors qu'on y va pour apprendre, pour préparer ce qu'on pourra faire demain dans la vie. Maintenant, remarquez ici, lorsque l'enfant quitte les parents, il n'est plus sous la responsabilité directe des parents. Il entre maintenant dans la responsabilité de l'école. Et souvenez-vous, l'éducation que nous essayons de donner, nous en tant que parents, ce n'est pas la même chose que l'école est en train de donner aux enfants. Il va voir les égards et les égards de conduite qu'il y a à l'école et parfois il va commencer automatiquement à les imiter. Nous avons lu, madame, ici, dire Joseph va à l'école. Il entend n'importe quoi. Un jour, il est rentré, il a parlé à sa mère de manière insolente. Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris à la maison. Non. C'est quelque chose qu'il a appris à l'école. Amen. Voici pourquoi la Bible nous a dit dans le psaume 1er, dans le psaume 1er, errant l'homme de quel il s'agit, qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et souvenez-vous, toute personne qui ne croit pas la parole de Dieu, c'est un méchant. Un méchant. Et là, que vous pensez la méchanceté, c'est qu'il va marcher avec une machette. Non! Toute personne qui ne croit pas la parole de Dieu, c'est un méchant. Écoutez, je continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oh, j'ai vu, notre ami l'a fait comme ça, mais papa, est-ce que ça a été? Toi, tu es appelé à une autre vie. Toi, tu es appelé à une autre manière de faire les choses. Tu ne seras jamais heureux si toi tu marches selon les conseils des incroyants. Et toi, tu suis leur chemin. Non. Tu suis leur voie. Écoutez, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur? Si on te trouve tout le temps au milieu de mon cœur, des gens qui n'ont aucune considération avec Dieu, comment est-ce que toi tu vas grandir dans la crainte de Dieu? Amen. Un homme intelligent, c'est un homme qui choisit sa compagnie. Et il sait la choisir depuis qu'il est jeune. Ne prenez jamais quelqu'un qui va vous tirer vers le bas. Prenez toujours quelqu'un qui peut vous tirer vers le haut. Quelqu'un qui peut vous amener à faire toujours un pas qui est bon. Amen. C'est un conseil de vie. Même quand vous grandirez, même quand vous serez à quel endroit, ne prenez jamais quelqu'un qui vous amène des conseils qui ne sont pas des conseils de la parole. Parce que ces conseils-là, même si ça semble bon, cela ne vous aidera pas. Jamais. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous mentez pas à vous-même. Une mauvaise compagnie va corrompre même une bonne mère. Ça signifie que même si les parents t'ont enseigné la parole, même si papa t'a montré le chemin, si tu es tout le temps en compagnie de mon cœur, de pécheurs, des gens qui ne craignent pas Dieu, cela va t'atteindre d'une manière ou d'une autre. Parce que souvenez-vous, lorsqu'ils vont à l'école, premièrement, ils ne croient pas la parole. Ils ne sont que sous la force des parents. Donc, on dit, alors ce que nous devons faire, c'est les garder sous l'esprit jusqu'à ce qu'ils grandissent pour recevoir eux-mêmes le Saint-Esprit. Mais quand il arrive à l'école, il va écouter du rap. Vous pensez que ça n'aura pas d'effet sur lui? Vous voyez, on dit, lorsqu'on est pécheur de nature, la première fois qu'on entendra quelque chose qui est hors parole, cela va attirer son attention. Et si lui demeure dans cet environnement, qu'est-ce qui va sortir de là? Beaucoup de gens, leur première cigarette, ils vont tirer à l'école. Amen. Beaucoup de gens, leur première magouille, c'était à l'école. De sorte que parfois, les parents vont à la réunion des parents, ils donnent le rapport, ils tombent de lui. Mon fils à moi? Oui, ton fils. Celui-ci? Oui, celui-ci. Donc, il a une autre image à la maison et à l'école.
Mes enfants, écoutez-moi. Soyez certains avec qui vous traînez. Soyez certains avec qui vous marchez. Parce que cela va vous impacter. Cela impactera même votre vie. Vous avez un gars qui est négligent à l'école, vous pouvez plus votre meilleur ami. Et vous pensez que vous ne verrez pas. Cela ne marchera pas. Voici pourquoi je vous dis, papa ne vous a pas envoyé à l'école pour le but de l'amitié. Papa ne vous a pas envoyé à l'école, oh c'est mon ami, c'est mon copain, c'est pas ça. Papa t'a envoyé là pour que tu apprennes et que demain tu sois capable de les débrouiller dans la vie. Est-ce que c'est clair? Amen. Écoutez, frère, je vais lire un peu, frère. Alléluia. Voilà la Bible ici. Dans Jésus et Marc, dans lequel servez-vous? Paragraphe 32, 18 à 24. Maintenant, considérez les gens. Prenez par exemple les jeunes gens, les adolescents. Ils n'aiment pas côtoyer les vieillards, car ils ont entre eux les jeunes des choses en commun. Donc, il est normal que si vous voyez un petit enfant et qu'on est au milieu des adultes, s'il voit un autre enfant, vous allez voir que cela va l'attirer. Il va voir quelqu'un qui est de sa nature ou bien quelqu'un qui semble lui ressembler. Et ici, toi, madame, dit, c'est vrai que les adolescents, lorsqu'ils sont là, ils vont préférer la compagnie d'autres adolescents. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent. Ouais. Mais ici, je vais vous demander quelque chose. Que votre ressemblance ne s'arrête pas dans l'apparence. Amen. Mais que vous puissiez vous ressembler dans l'esprit. Amen. Parce que lorsqu'on vous demande de ressembler à Jésus, ce n'est pas de le ressembler dans l'apparence. Mais plutôt d'avoir le même esprit que Jésus a fait. Et ce piège ici fait qu'un adolescent va vouloir côtoyer un autre. On ne côtoie jamais quelqu'un sans connaître les motifs et les objectifs qui sont derrière lui. Cela est un danger. Exactement. Amen. Amen. Je continue ici, peut-être voilà. Eh bien, un vieux du temps dit, montre-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. C'est pratiquement vrai. Ce qui se ressemble, s'assemble. Ne vous limitez pas à dire c'est un jeune, je vais m'assembler parce que c'est un jeune. Non. La mère de vos parents disait, papa, ce qui se ressemble, s'assemble. Donc si toi, on te trouve en compagnie des moqueurs et en compagnie des pécheurs tout le temps, en réalité, tu es un moqueur, un pécheur. Amen. C'est pour ça que cette compagnie t'attire. Amen. Voici pourquoi. Je vais essayer de montrer ce que vous voulez tenter de montrer. Parce que beaucoup de gens peuvent s'approcher juste à l'école. Oh, c'est un ami. Mais tu ne sais pas que c'est la porte de l'enfer. Parce qu'il y a très peu qui seront capables de l'influencer dans le sens de Dieu. Il est très facile d'être influencé dans le mal que d'être influencé dans le bien. Amen. Regardez ici. Faut pas dire à comment communiquer. Eh bien, chaque personne pense à ses enfants, n'est-ce pas? Pendant qu'ils sont sous votre surveillance, donc pendant qu'ils sont à la maison, sous votre surveillance, vous pouvez veiller sur eux, n'est-ce pas? Mais vous savez que quand ils sont à l'école, c'est même plus de temps qu'ils passent à la maison. À l'école, ils passent beaucoup plus de temps. Regardez. Parce que l'école ici, ça peut commencer, disons que l'enfant va quitter, moi je vois les enfants quitter aux environs de 7h ou 6h, ça dépend. Et puis ils vont revenir vers 17, parfois 18h. Donc s'ils quittent à 17, disons qu'il est c'est pas 17h. Ils quittent à 7h pour revenir à 17h, le monsieur a fait déjà 10h. En dehors de la maison. Donc à 17h là, moi je m'arrange à ce qu'il va dormir vers 21h ou 21h30. Donc s'il va dormir encore, il va dormir avec 8 heures de temps. Donc ça signifie que moi avec lui, nous aurons peut-être 2 et 3 heures. On n'aura pas beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'ils doivent être conscients que ces temps ici, s'ils ne font pas attention, ça sera un dérapage qui va suivre. Regardez ce que Coran dit ici. Il dit, et bien chaque personne pense à ses enfants. Et bien, pendant qu'ils sont sous votre surveillance, vous pouvez veiller sur eux. Mais une fois qu'ils sont hors de votre surveillance, alors les diables, on parle de qui? Les diables.
Le diable a tous les petits vieux Oscars qu'il peut larguer là pour s'associer avec vos enfants. Amen. Et je continue. Ces gens qui sont infidèles, mais c'est un enfant. Méchant, mais c'est un enfant. Possédé du diable et tout le reste. Écoutez, pour là, que Dieu ne vienne en aide. Amen. Parce que vous essayez d'établir quelque chose. Vous essayez de faire quelque chose. Mais ne soyez pas ignorant que vous avez un ennemi. Et que cet ennemi, il vient toujours d'une manière ou d'une autre. Et vous avez dit, c'est un petit vieux Oscar qu'il va envoyer pour qu'il puisse s'associer avec votre enfant. Et cela arrive souvent dans ces lieux qu'on appelle l'école. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Et voilà, me dit, c'est alors que l'homme doit faire attention. Ah, je continue. C'est là que vous, les jeunes filles, vous devez faire attention aux petits gars à la chevelure lisse. Faites attention. Et certains parmi vous, jeunes gens, doivent faire attention à cette petite Jézabel. Vous savez, qui vous dérouterait? Faites attention. Ayez de bonnes fréquentations. Amen. Ça, c'est le conseil du prophète. Il parle aux jeunes filles. Il parle aux jeunes garçons. Je vais y arriver. Amen. Il leur dit, faites attention. Parce que le diable, il est malin. Amen. Il sait comment arriver à ses fins. Alors, vous devez savoir à qui vous avez affaire et avec qui vous êtes associé. Amen. Parce que cela va vous impacter d'une manière ou d'une autre. Amen. Écoutez, frère, je continue ici. Dans Dieu tient sa parole, qu'il a prêché lequel jamais c'est cassé par la Francis. Ne laissez pas vos enfants. Est-ce qu'on a dit laissez vos enfants? Il dit, ne laissez pas vos enfants. S'ils courent dans la rue, vers un petit au soir de là-bas, c'est un bon petit garçon. N'est-ce pas? Mais prenez soin de savoir qui est le petit au soir. Je peux continuer? Amen. Écoutez, voyez qui est son père, qui est sa mère. Donc on ne se limite pas simplement au petit au soir. On va plus loin. Parce que au soir de et ce qu'est la maison. Voyez qui est son père et qui est sa mère. Amen. Ce sont peut-être des gens qui haïssent l'évangile. Amen. Écoutez pour madame. Ils peuvent avoir tout étiqué au petit au soir. Et vous laissez votre petit garçon ou votre petite fille fréquenter quelqu'un de ces gens. Vous voulez écouter la suite? Écoutez la suite ici. La chose suivante, vous savez, il viendra et agira comme le petit au soir. Eh bien, vous savez que c'est vrai. Observez vos partenaires. Ayez de bonnes fréquentations. Amen. Alléluia. N'allez pas dans les salles de billard avec ces garçons juste parce que vous pensez que vous pouvez les gagner à Christ. Si vous n'êtes pas capable de les gagner à Christ dans l'église ou là chez vous, assis dans votre voiture, vous ne le serez pas dans la salle de billard. Je vous assure, amen. Vous êtes sur le terrain du diable. Restez-en éloigné, c'est amen. Vrai. Séparez-vous. Dieu a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. A dit, alors je vous recevrai. Dieu cherche quelqu'un qui a le courage de tenir bon. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Amen. Oh, je vais avec lui dans c'est juste un petit resto. Dans un petit nanda. Mais papa, si tu ne peux pas le gagner à Christ à l'église, sur le terrain du diable, ça ne marchera pas. Amen. Voici pourquoi, par la grâce de Dieu, nous voulons déjà éveiller votre conscience.
Lorsqu'on va à l'école, on ne fréquente pas n'importe qui. Nous ne sommes contre personne. Mais ici, nous sommes en train de préserver une race. Nous sommes en train de préserver un peuple. Nous sommes en train de préserver toute une génération qui vient après nous. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Écoutez, c'est quand on a dit la Christ n'est pas le bienvenu. Du 11 septembre 55. Les chrétiens parlent des choses saines et des bonnes choses. Les pécheurs parlent des choses sales, des choses désagréables, et ils chantent des chansons vilaines. Alléluia. La première fois qu'il va commencer à rapper, ça sera à l'école. Il va même se donner un nom. Tu vas voir, ton fils, tu savais pas qu'il avait même un compte Instagram, il a un blaze. Il est connu. Parce qu'il connaît maintenant les influences. Comme on a dit, les chrétiens parlent des choses saines et des bonnes choses. Voici pourquoi nous aimons leur compagnie. Parce qu'ils vont dire des bonnes choses et des choses saines. Tandis que les pécheurs parlent des choses sales. Ces garçons vont commencer à parler des filles. Les filles vont commencer à parler des garçons. Et peut-être le pauvre garçon n'était pas encore dans le truc. Cela va commencer à intriguer son cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Pour l'ami, il chante des chansons vilaines. Vilaines. Très bien. Ils vont commencer à montrer des clips de rap où les filles sont en moitié nues. Le pauvre garçon à qui on a appris, ma foi, regarde à toi. Oh Seigneur. Et il va basculer de ma foi, regarde à toi, je ne sais pas moi, à un chant ténébreux de Kobanana. Oh Seigneur. Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! Et pourquoi cela? C'est à cause de ce lieu qu'on a appelé l'école. Amen. J'ai parlé à un des gens, j'ai dit, tu vois, j'ai des titres, c'est ténébreux. Comment un croyant peut écouter un truc qui est ténébreux? Lui, il déclare les couleurs, ténébreux. J'ai dit, mais vous devez faire attention parce qu'un homme, il est l'ensemble des choses qu'il écoute, des choses qu'il voit. Voici pourquoi, si ça ne tenait qu'à nous, c'est mieux qu'on appelle l'école, nos enfants ne mettraient jamais dans l'école. Mais alors qu'ils y vont, qu'eux-mêmes comprennent que si je fréquente quelqu'un, je fréquente cette personne à mes risques et périls. Parce que parfois, tu ne sauras même pas qu'il fréquente des petits au soir. Parce que s'il veut fréquenter des petits au soir devant moi, je prendrai le soin de connaître qui est la mère et qui est le père. Parce que je sais qu'au soir de l'essayant que c'est que la famille dans laquelle il vit. Est-ce que vous croyez ceci? Alléluia. Amen. On va maintenant continuer ici dans l'approche vertu. Il va parler de son propre fils, Billy Paul. Vous savez, Billy Paul a grandi dans la maison du prophète. Une maison consacrée à Dieu. Un jour, papa voit Billy Paul revenir. Il a mis de cette mère. Oh, Billy Paul, qu'est-ce qui se passe? Le fiston a commencé à fumer. Pourquoi Billy Paul a commencé à fumer? Ce n'est pas parce que papa fumait. Non. Papa n'a jamais fumé les affaires. Alléluia. Même quand le boulot de rouge était là pour le mettre. Mais Billy Paul était en compagnie des gens à l'école, tous ses collègues à l'école fumaient. Et lui ne peut pas être bizarre entre les mouvements, c'est aussi tout ça, branché. Et Billy Paul se retrouve en train de fumer. Et quand il entre, son père a une vision, il voit Billy Paul en train de fumer. Il dit, Billy Paul, tu sais que je sais voir dans la vie des gens. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous, madame, il va dire maintenant, quelques jours auparavant, je lui avais dit, Billy, tu es sur un terrain dangereux. Amen. Parce qu'il avait compris d'où cela venait. Abandonne cette compagnie que tu fréquentes. Lorsque tu vois que la compagnie dans laquelle tu es ne te pousse pas vers les choses pures, vers les choses agréables, vers les choses profondes de Dieu, papa, il n'y a pas de choix. Abandonne cela. Amen. Parce que si tu ne le fais pas, ils vont finir par te corrompre. C'est ça. Et comme ici, j'ai dit, le Seigneur Jésus m'a montré hier soir, juste avant d'aller au lit, pendant que j'étais dans la pièce, après la prière,
Je vous dis la vérité, ni était la prière de Frère Branham pour cet enfant, l'enfant allait mourir. Frère Branham me dit, Dieu l'a averti dans le temps. Il a commencé à dire, arrête ça. Lui, il ne voulait pas écouter. Un jour, maintenant, quand il est rentré, lorsqu'il va faire la crise, heureusement que l'ange de Dieu va parler au prophète. Il va dire, élève-moi des gens, prie pour Billy Paul. Et là, il va prier pour Billy Paul. J'étais vu, tu n'écoutais pas ce que je te disais. Mes chers enfants, personne ne vous aime plus que les parents. Et personne ne vous aime plus que Dieu. Amen. Sachez que personne ne vous aimera plus que Dieu. Et ici, personne ne vous aimera plus que vos parents. Amen. Si papa te dit, fais attention là, c'est l'amour de papa qui parle. Amen. Parce que l'amour là, arrête quelqu'un avant qu'il entre dans un problème. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Rita, elle aime courir, n'est-ce pas? Notre tablette, elle aime courir. Mais là, papa, il aime tellement Rita, que Rita veut courir comme ça, traverser la route et revenir. Il va la laisser faire ça. Il va dire, tu stop. S'il n'écoute pas, papa prend des mesures. Parce que le danger qui est là, lui risque de lui faire plus mal que la correction de papa. Amen. Regardez ce qu'on a dit ici. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, il parle toujours de Bible. Mais tu as sauté par la fenêtre. J'étais vu tourner la tête en haut, puis le talon en haut, en faisant cela, faisant le tonneau, continuellement passant dans l'espace. J'ai dit, tu dois cesser de fréquenter cette compagnie-là. Eh bien, étant un enfant, il a tout simplement conduit. Et ça lui a coûté cher après. Étant un enfant, c'est entré par ici, c'est sorti par là. Alors que, je sais parler de l'adolescence. Je disais à mes enfants, un enfant juif, quand il va entrer dans cette stade, voit à l'âge de 13 ans, on l'amène au tabernacle, on l'amène au temple. Il va faire le bar mitzvah, qui signifie pour lui quoi? Qu'il devient un fils de la loi. Vous voyez la différence? Donc à partir de là, il est responsable vis-à-vis de la parole, il est engagé. Il n'est pas simplement entre les deux. Il devient un fils de la loi. Et j'ai dit, vous allez voir, chez les juifs orthodoxes, c'est à cet âge-là qu'on leur apprend à écouter les anciens. Parce que c'est un âge où on n'aime pas écouter, alors que c'est un âge où on doit écouter. Et celui qui écoute durant cet âge aura plus d'avance que celui-là qui n'écoute pas. Amen. Problème dit, étant un enfant, il a continué cigarette après l'autre en pensant qu'il a raison. Ni de Dieu, cet enfant de la terre. Oh Seigneur. Son père lui a dit, arrête avec cette compagnie. Et vous savez, lorsque vous allez lui répéter ça, à un moment, il vous dira, j'ai 18 ans. Et alors? Moi, le jour où mon frère avait 18 ans, on était tout fiers, moi et lui. Moi, je n'avais pas 18 ans, mon frère avait 18 ans. Alors, on est parti devant Père pour lui montrer qu'il y a 18 ans dans la maison. Et Père nous a chassé. Il nous a dit, vous ne connaissez rien dans la vie. Amen. Et aujourd'hui, je sais qu'il avait complètement raison. Amen. Papa, oui, papa, j'ai 18 ans. Oui, papa, il y a 18 ans. Vous ne connaissez rien. Amen. Et c'est ce que Paul va essayer de dire. Philippe Paul, arrête cette compagnie. On ne fréquente pas n'importe qui. Amen. On doit être sûr que cette personne que vous suivez, elle suit Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, j'imite Jésus. Amen. Mais si Paul n'imitait pas Jésus, il devrait dire, Paul, toi et nous, ça s'arrête là. Mais quel est cet enfant qui peut devenir bon? Meshach, Shadrach, Abednego, 14 ans. Pas de papa, pas de pasteur, pas d'église. Ils ont dit, nous n'allons pas essuyer. Alléluia. Nous n'allons pas vivre comme des mondains. Nous allons tenir. Faites manger du porc à un enfant de 14 ans qui est musulman, qui dira non. Alléluia. Alors qu'il n'a même pas le Saint-Esprit. Les abonnés dit. Mais alors, à combien plus forte raison nous,
Alors que nous avons le principe, on veut faire jouer les ténèbres, dis-moi, je n'écoute pas ces genres de musique. Très bien. Parce que c'est une musique non bien produite de bien dans les jeunes gens. Alléluia. Moi, j'écoute une autre musique qui fait du bien dans les cœurs. Et qui me garde droit. Même si c'est mon de droit aujourd'hui, demain après demain, ils diront, ces garçons avaient une particularité. Alléluia. Où sont les jeunes qui peuvent tenir pour ce qui est vrai? Où sont les jeunes qui peuvent tenir pour ce qui est bon, pour ce qui est juste, pour ce qui est agréable? Lorsque tu regardes le culte de l'âme, vous les jeunes gens qui aiment le culte de l'âme, où on met des jeunes soeurs ou des jeunes filles à moitié nuit, si c'était ta soeur, si c'était ta fille alors que tu as un père, qu'est-ce que c'est fait à ton cœur? Oh Seigneur. Nous devons déjà, alors que nous sommes jeunes, nous tenir pour ce qui est juste, pour ce qui est bon, et dire, nous nous tenons sur ceci, même si le monde entier refuse. Alors que vous êtes à l'école, Dieu attend de vous que vous ne puissiez pas être en compagnie de vos cœurs, mais que vous puissiez méditer la loi de Dieu tout le temps. Nous avons mis à l'âge de 7 ans, Jésus-Christ de paraître à un enfant. Parce que cet enfant avait les pensées dans les chansons du monde, je ne pense pas. Écoutez, frère Manuel. Regardez à l'invisible du 3 octobre 58 par exemple. Il y a quelques jours, je suivais une émission à la radio en venant à l'école du dimanche. Et on avait organisé une table ronde avec les adolescents de Louisville. L'une des choses les plus importantes, c'était pour une jeune fille de trouver un garçon aux cheveux bouclés. Écoutez. Ou pour le garçon de trouver une fille aux beaux yeux bleus ou bruns. Cela change-t-il quelque chose? Il semble que c'est une chose importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de trouver votre Dieu, votre Créateur. Amen. Il va arriver ici, il va trouver que son ami a une copine. Et puis on va lui dire, mais tu ne sais pas que Anne-Marie a été copine. Ah, tu ne sais pas que Suzanne-là est amoureuse de toi. C'est vrai? Et puis ça commence par des messages. Snapchat, genre, comme ça disparaît. Le temps que papa va arriver comme ça, Et ça commence tout doucement parce qu'il faut pas l'en dire. Il semble que vers un certain âge, on va voir cet âge-là. La chose la plus importante, c'est de trouver un beau jeune homme avec des cheveux, je ne sais comment. Mais un jour, la calvitie passera là-bas. Alléluia. C'est sans pitié. Hein? Vous pensez que moi et frère Amand, on est des cheveux? Non, on a grandi cheveux. Frère Amand, mon cœur n'est pas de cheveux, il dit jamais les cheveux comme ça. Il n'y a que les mecs qui restent. Ah, que les mecs qui restent. Remarquez ici, pour une jeune fille, c'est de trouver un garçon. C'est le moment où on commence. Frère Amand dit que ce n'est pas la chose importante. Alléluia. La chose importante, c'est de trouver d'abord votre Créateur. Parce que si vous ne trouvez pas votre Créateur, ce qui va découler de ça sera la honte. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Laissez-moi vous dire les vérités maintenant. Alors que demain, vous ne pouvez pas dire je ne savais pas. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de comprendre ceci, de connaître ceci. Mais vous, jeunes gens, alors que vous avez l'occasion de l'attendre, laissez-moi vous dire, vous serez bénis si vous prenez position que je vous dis. Amen. 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 Gloire à Dieu. Tu commences à vouloir aimer une jeune fille qui a 16 ans. Tu veux la où? Amen. Dans quelle aventure? Dans quelle aventure? Tu as un travail? Non. Tu as une maison. C'est quoi l'objectif? Oui. Et ça finit dans la vente. Écoutez, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut que son peuple soit séparé de l'incrédulité et des incroyants. Amen. Tant parmi vous font l'erreur, ils font quoi? De laisser de temps en temps vos enfants jouer au petit au soir. Voyez-vous, ce n'est pas que je vais être différent des autres, ou en prison, ou une espèce de fanatique. Je n'ai pas cette intention. Mais si vous laissez, soyez sûr avec qui votre fils sort le soir. Amen.
Voyez-vous? Peut-être que vous l'avez élevé comme une simple petite fille pieuse allant à l'église. Et la première chose que vous apprenez, c'est qu'elle sort avec Oswald ou quelques-uns de ceux-là. C'est soit un athée, un incrédule, et sa vie finira par être ruinée. Très bien. Et vous ne savez pas ce qui est. Voyez-vous? Ensuite, il se mariera avec elle. Donc, même quand tu deviens dans l'âge de marier, on doit regarder à quoi? Pour vraiment dire à quoi bon de former un foyer si ce n'est pas un foyer chrétien? Parce que ça sera un lieu de tourment, ouais. Un lieu de guerre. Écoutez ici. Vous ne savez pas qui est votre. Ensuite, il se mariera avec elle. Et regardez où sont alors vos petits enfants. Écoutez, voyez-vous, soyez prudents. Amen. Dieu veut que les siens soient séparés. Amen. Parce que aujourd'hui, tu vas épouser quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Oh, mon fils s'est marié. Nous sommes dans la joie. Nous dansons. Nous avons maintenant mis tout l'argent. 40 000 dans une fête. Parce que nous devons dépasser la fête de Narcisse. Amen. Et maintenant, quels vont devenir ces petits enfants? Parce que ces enfants ne seront rien d'autre que la maison dans laquelle ils sont. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je continue encore avec l'explication. Écoutez dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, 358. Une certaine fille s'est mise à sortir ici en ville avec un petit gringalet. Amen. Qui fumait la cigarette et qui avait un flacon en poche. Il avait toujours sa petite bouteille de whisky. Quand il avait un peu de stress, il devait gorger avec une bouffée. Ça calmait un peu son stress. Écoutez. Et la pauvre fille, elle venait au bras de la rue. C'était une fille qui priait. Oh Seigneur. Et là, elle commençait à sortir avec un genre de garçon comme ça. Écoutez. Qui circulait dans la ville en voiture là? N'est-ce pas, bébé? Oh Seigneur. Je suis sûr que. Si tu as votre école, tu commences à devenir un décapot, il aura du succès. Ah oui. Et puis, il y aura une jeune soeur. Il t'aime bien, il t'aime bien. On sera un décapotable. Écoutez ici. Je ne pouvais pas comprendre. Pourquoi il regarde la vie? Il y a des choses qu'il comprend. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle avait bien pu trouver dans ces garçons. Il vivait. Il buvait, même s'il avait une décapotable. Écoutez encore. Il ne voulait pas venir à l'église. Il restait assis là dehors. Il amenait la fille ici à l'église. Au début, je n'ai pas de prière. Ça ne me dérange pas. Je ne refuserai pas de prier ton Dieu. Il va venir, il va se garer là au coin. Maman, avec sa musique tranquille. Avec sa tranquille en train d'attendre la fille. Ah, tu as fini? Ok, repartons. Regardez ici. Puis il s'asseyait dehors dans sa voiture et attendait. Amen. Mais c'est de côté, la fille était ma foi regarde à toi, ma foi regarde à toi, ma foi regarde à toi. Et puis il rentre là-bas, c'est comme la bête était débrouillée dans la voiture. Et je vois qu'après un moment, mamie, elle venait mercredi et vendredi et dimanche. Vous allez voir comment ça va venir simplement dimanche. Et puis comment ça va venir deux mois sur toi. Et puis elle est là. Je vais venir quand même. Écoutez. Amen. Gloire à Dieu. Il ne voulait pas entrer dans l'église. Un jour, j'ai dit à cette fille, elle habitait loin d'Albanie. Il y a un pont qui ne sait pas du tout celui de l'Albanie. J'ai dit, j'aimerais te poser une question, jeune fille. Que trouves-tu donc dans ces garçons? J'ai dit premièrement, il est la religion. Mais moi j'avais dit ça, la preuve qu'il reste dehors. En train de faire, qu'il ne veut même pas entrer, ça montre qu'il a la haine. La religion même que toi tu as, il méprise ton Christ. Il ne sera jamais, jamais un bon mari pour toi. Il te rendra malheureuse toute ta vie.
J'ai dit, alors qu'il y a tous ces braves jeunes hommes chrétiens ici que tu pourrais fréquenter. Amen. Alléluia. Ton papa et ta maman n'aiment pas du tout te voir sortir. Mais tu y vas quand même. Et tu t'es dit, écoutez ce qu'il dit, j'ai atteint le bel âge de 16 ans. Papa, tu n'as rien à dire. Maman, tu n'as rien à dire. J'ai 16 ans. Écoutez. Elle a commencé à se maquiller et à courir. Et la chose suivante, elle était dans les boîtes des nuits. Oh Seigneur. Vous pensez qu'elle venait toujours, alléluia, alléluia. Alors non. Maintenant, c'était une autre ambiance le soir. Quand on commençait à l'intro de télévoyer dans la boîte de nuit, elle connaissait les taux. C'est parce que je ne connais pas d'autres noms. Je connais pas d'autres noms. Elle connaissait les taux. Remarquez, de l'église à la boîte de nuit. Écoutez, vous voyez. Amen. Elle est dans l'éternité, maintenant elle porte. Mais en ce temps-là, elle s'était dit ici. Savez-vous quelle raison cette fille m'avait donné pour justifier son amour pour le garçon? Amen. Ton papa n'aime pas du tout te voir sortir. Ta maman n'aime pas ça. J'ai 16 ans. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? J'essaie de prendre ma vie en main. Écoutez. Elle a dit, pour justifier son amour pour les garçons, il a des 6 millions qui bêtis qui. Je ne sais pas s'il s'est baladé à ma bouche ou quoi pour montrer son pied. Mais il a des 6 millions petits pieds. Et il sent si bon. Voilà. Pouvez-vous vous imaginer ça? Il s'est parfumé à outrance. Donc avant même d'arriver, on s'est déjà le parfum. Le gars n'est pas encore entre. C'est comme le frère est arrivé. Parce que le parfum le précède. Faut voilà dire, ça c'est une femme. Ce n'est pas un homme. Oui, voilà le prétexte. Des 6 millions de petits pieds et ils sentent bon. Les petits coureurs de boîte de nuit avaient finalement ruiné la vie de la fille. C'est une honte, c'est une honte. Si c'était votre fille, ça vous ferait quoi? Amen. Si c'était votre soeur, ça vous ferait quoi? Voici pourquoi l'homme et l'heureux ne s'assient pas au bailli. Je ne suis pas le conseil de n'importe qui. Amen. C'est ça qu'on commence à connaître à l'école. L'enfant va comprendre à l'école que le soir, le samedi, on peut commencer à sortir. Moi, je vais à l'école de mes enfants. C'est l'école de tous, ils sont plus serrés, mais tu vas voir la sixième. Tu commences à voir les bières sur les terrasses. Il y a ça commence. Et ça peut déjà commencer avant. Parce qu'on est à la sixième, papa. On doit s'affirmer. Un belge bon grand qui va nous s'affirmer avec une bonne bière. Écoutez-moi les amis, la suite de cette fille, c'est que la vie a été ruinée. Montre-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Amen. 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 L'histoire de ma vie, par la France, c'est déjà finie. Je me souviens du premier rendez-vous que j'ai eu avec une jeune fille. Le premier rendez-vous, c'est voilà. Un jeune garçon. Qui veut être comme les autres. À 16, 17 ans, il faut maintenant dire ce qui compte dans le cœur d'un enfant, c'est avoir une petite chérie. Et même, il peut dire un frère ici à l'église, alors qu'il a sa petite chérie. Secret défense. Tout se passe à ce temps-là. Donc, pam, il ne verra rien. Et tout ce sont tellement de places que tu ne comprendras même pas le nom. Tu regardes la liste comme ça, il n'y a aucun nom littéral. Tu ne vas pas frère dire non. Tu verras si c'est là où je ne sais pas quoi. Hein? C'est l'over. Donc, il y a plein de choses. Regardez ici. Je me souviens du premier rendez-vous que j'ai eu avec une jeune fille. Vous savez comment sont les garçons lorsque vous atteignez environ 16-17 ans. Vous cherchez une chérie. Maintenant, si vous avez 16-17 ans, d'ailleurs aujourd'hui 16-17 ans, c'est vieux. Aujourd'hui c'est deux tours.
Maintenant, quand tu arrives au milieu de ces croyants, un jeune garçon de 12 ans qui commence à embrasser les filles, il dit, à qui j'ai embrassé les filles, tu vas dire quoi? À nous nous prions. Amen. Regardez. Gloire à Dieu. Oh, cette première, vous savez à quoi elle ressemble? J'étais un grand, un pauvre garçon de campagne, timide. Mais je me souviens de la première fille que j'ai eue. Elle avait des dents comme des perles. Vous voyez, il disait, quand je l'ai regardé, je me suis dit, si je pousse ici, mon problème est terminé. Et puis après, j'ai vu une autre. J'ai dit, ah non, si je pousse celle-là, mon problème est fini. Jusqu'à ce que le problème qu'il avait dans le cœur a trouvé la solution quand Dieu y est entré. Amen. Regardez ici. Elle avait les yeux comme une colombe, un cou comme un cygne. Oh mon Dieu. J'aimerais la voir 50 ans plus tard. Écoutez, c'était la plus jolie créature que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, elle venait d'arriver où? Ah! Non mais après quoi, ça se passe des choses là. Et aujourd'hui, nous avons des téléphones. Ce n'est plus le monde d'avant. Donc les téléphones, tout se passe. Parfois une fille en moitié, même une nuit, envoie des photos. Moi, je l'ai vu dans l'école de mes enfants. Et elle n'est pas idiote, hein? Elle travaille très bien à l'école. C'est demain qui sera bourgmestre de l'île et qui va voter les lois. Lorsqu'on dira, ce n'est pas normal que les enfants ne nous aident. Non, non, laissez tomber, vous voulez frustrer les enfants. Ils ont droit à la vie. On ne vit qu'une fois. Il y a un terme de la peur. Je refuse de le dire. Les jeunes connaissent. Donc on ne vit qu'une fois. Écoutez pourquoi. Elle venait d'arriver à l'école. Alors j'ai dit à une autre amie, j'ai dit, prends la vie et fort de ton papa. Il y a un découragé qui vole la vie et fort de son papa. Prends la vie de ton papa, j'ai 75 centimes. Donc là, maman t'a envoyé au marché et toi, tu as arrondi les prix. Parce qu'il y a un rendez-vous. Et toi, tu dis à papa, c'est jour à papa. Et nous avons l'étude à l'école. Et j'ai raté mon bus. N'est-ce pas? C'est là où j'ai dit aux enfants, nous sommes pas nés de la dernière. Amen. L'enfant est passé à gauche, à droite, et puis il glisse. Oh, j'étais parti chez les voisins, il me dit ça, le mec, là j'exagère. Je passe d'abord chez le voisin, il dit bonjour au voisin, et quand on va me poser la question, d'où viens-tu? Je viens de chez les voisins. Dis papa, on n'est pas notre vieux. Non, non, non. Soyez honnête, soyez loyal. Commencez à tracer votre chemin. De manière que les choses soient claires, et Dieu vous bénira. Amen. Écoutez, et nous allons acheter deux galons d'essence pour 25 cents. Ainsi, il me restera 50 cents. Et nous allons sortir, là, nous taper des bons moments. Les bons moments de l'époque, là, tu ne peux pas embrasser la fille d'autrui. Non, ce n'est pas comme aujourd'hui. La qualité n'était pas arrivée à ce point. Le bon moment, c'est qu'on allait boire du boca et manger un sandwich, et on est à côté de la fille, et c'est ça, et eux. Écoutez. Alors, vous savez comment sont tous les garçons. Ils ont une petite chérie quand ils atteignent 16 et 17 ans. Et moi, comme tous les jeunes garçons, j'avais une petite amie. Je pensais qu'elle était la créature la plus jolie que j'ai jamais vue. Après, de le père, vous savez, les yeux comme colombe, et nous sommes allés nous promener. Elle, moi, un autre garçon et sa petite amie. Et nous sommes arrêtés à un petit point de vente pour nous procurer des sandwichs et des coca. Et quand je me suis arrêté, je suis entré acheter des sandwichs et des coca. Je suis sorti, j'ai pris mon coca, j'ai mangé les sandwichs. J'ai ramené mes bouteilles et à ma surprise, quand je sortais, ma petite chérie fumait une cigarette. Maintenant, toi, l'amoureux, toi, le jeune frère, tu la trouves en train de fumer une cigarette. Tu auras quelle force pour dire que non, ne fume pas, non, au prix. Et d'ailleurs, le fils d'aujourd'hui peut lui dire. Quand tu m'embrasses pas, je m'en. Et toi, dis quoi? Nous, on ne fait pas ça, nous, on est ça. Voici pourquoi
vous devez réfléchir. Amen. À qui, avec qui vous voulez traîner. Vous devez réfléchir que ça peut être un embrayage dans lequel vous serez entraîné et vous ne serez plus vous en sortir. Vous m'avez dit, on sortit et fumait une cigarette. Et vous savez quoi? Vous voyez, ma mère qui est brisée, qui ma colombe était fumeuse. Et sa colombe n'était pas seulement fumeuse, mais elle était aussi évangéliste du tabagisme. Elle lui a proposé une cigarette. En lui disant, si tu ne fumes pas, tu n'es pas un mec. Tu es une poule mouillée. Et Branham, c'est qu'il a sauvé ses mouches. Amen. Et vous savez, les mouches, ils devaient les frustrer, les traumatiser dans sa vie. Ils ne devaient pas être comme les autres. Quand les autres battaient leur plein succès, lui était rejeté. Mais aujourd'hui, son nom est connu dans le monde. J'ai ce genre, on ne fréquente pas n'importe qui. Amen. Gloire à Dieu. Parents, on ne laisse pas son enfant traîner avec n'importe qui. Très bien. Amen. Vous devez connaître le père, connaître la mère. Parce que s'ils haïssent l'évangile, son garçon va grandir dans cette atmosphère. Et il ne sera rien d'autre que ce que la maison. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je suis arrivé à la fin. Je prends la même citation, dans où est parti la force Samson. Samson a eu une mauvaise compagnie. Et vous pouvez toujours vous rappeler. Écoutez, ça c'est le conseil de travail avec lequel on va finir. Vous connaissez l'histoire de Samson, non? Est-ce que Samson avait fréquenté les filles d'Israël? Non. Il est parti chez les filles d'Israël. Et la suite est connue. Écoutez, Samson a eu une mauvaise compagnie. Vous pouvez toujours vous rappeler. Et dès que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que je vais répéter ça? Amen. Amen. Vous pouvez toujours, pas des temps en temps, toujours vous rappeler, dès que vous avez une mauvaise compagnie, amen, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Ma pauvre mère du Sud me disait, si tu te couches avec un chien qui a des puces, il y aura des bus. C'est plutôt grossier comme expression. Mais c'est vrai. Donc, si vous voulez rester dans la volonté de Dieu, je prends la compagnie maintenant. Je me retrouve dans un bar. Toi, tu commences à faire. On commence toujours avec les pantalons. On commence toujours avec les pantalons. Le monsieur vient en train de faire des mélanges, et tout comme il veut avec les pantalons, ou un peu d'eau. Et puis, je me dis, mais non, commence par une bière sans alcool. Frère Henri, on a des bières à 0%, sans alcool. Tu mousses aussi ton verre. Et si Frère Armand passe, tu dis Frère Armand, c'est 0% d'alcool. Mais nous avons déjà repéré l'esprit. Amen. Et vous allez voir du 0% d'alcool, il va finir dans le mélange. Vous devez faire attention. Quand vous êtes en mauvaise compagnie, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Amen. Et ce qui vous arrivera, Dieu. Et ceci, je reviens pour mes enfants à l'école. Et on vous y envoie pour l'instruction. Parce que si vous commencez à vous associer, c'est mon ami, on s'envoie des sons. Oh, on s'envoie ceci, on s'envoie cela. Vous êtes en train de griser votre propre temps. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Et que ceci soit une leçon pour chacun. Amen. 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 Je vais vouloir le dimanche prochain, je vais parler sur la naissance. Et nous verrons ce que Dieu va faire derrière cette période. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Je vous appelle. Amen. Je vais vous demander de quitter mon apparente timidité. Un jour, je disais à mes étudiants, vous savez, moi je suis un gars timide. Oh, ils ont crié. À
réalité, j'étais un peu timide, mais Dieu m'a délivré. Amen. Alors, quand j'écris, quand Frère Tim prêchait, ouais, moi j'ai pris des citations, j'ai noté. Amen. C'est quand on écrit que ça reste. Écrivez, allez à la maison, prenez un temps pour chercher. C'est ça. Amen. Amen. Les enseignements sont d'un certain niveau. Ça ne peut pas entrer si vous n'écrivez pas. C'est en écrivant que ça entre. Moi, j'écris mes citations. Nous sommes évangéliques. Nous sommes aussi doctrinaux. La doctrine, c'est la sagesse. Amen. Vous ne pouvez pas capter la doctrine si vous n'écrivez pas. Je voudrais que dans l'avenir, chacun ait un carnet, un agenda, un cahier. Pour écrire. Amen. Pour écrire. Moi, j'écrivais à 21 ans. Moi, j'ai pris un message à 21 ans. À 20 ans, j'ai décidé de mettre une fille, une couturière. Et moi, j'ai décidé de mettre. Et puis, tout d'un coup, j'écris au message, je suis isolé de ce prophète que mon Dieu m'a gardé. Amen. Amen. C'était comme un rouge, plus les mêmes rouges. Garder nos jeunes gens. Amen. 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 Moi, je vois que jusque là, nos jeunes gens se comportent bien. Amen. Amen. Je n'ai pas de mauvaises nouvelles. Nous avons confiance en vous. Continuez. Continuez. Mettez la religion de papa devient votre propre religion. Amen. Au travers d'une expérience personnelle. Ne regardez pas au monde. Non. Ne regardez pas aux choses du monde. Regardez le message. Et tout le monde, il y a des anciens. Nous avons des anciens ici. Nous sommes passés par le. Nous étions jeunes comme vous. Avec beaucoup de cheveux, vous êtes il l'a dit. Aujourd'hui, j'avais cru. Amen. Donc, le message protège. Et tout ce que nous disons. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la vie vécue. 18 ans, 17 ans dans les pastorats, 35 ans dans les messages, nous en avons vu. Ici, moi, j'ai dit un frère, ne va pas chercher dans le monde, ne va pas chercher dans le monde, il ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, il est divorcé, il est dans la confusion. Amen. Mais je remercie le Seigneur pour nos jeunes gens. Restez sur les traces du message. Vous serez heureux. Amen. Amen. Vous serez heureux. Nous avons formé des foyers chrétiens parce que nous sommes des chrétiens. Alléluia! Quand Dieu m'a éloigné, j'ai rencontré mon épouse. Amen. C'était en 1991, le pasteur me dit, non, tu n'as pas de besoin, tu arrêtes. J'ai arrêté. Mais c'est la femme que Dieu m'a prédestinée. Je lui ai promis et je vais l'épouser. Amen. Je n'ai connu qu'une seule femme. Dieu m'a fait grâce. Amen. Vous aussi, suivez les pas des anciens. Les anciens, c'est dans le message. Pas dans le message. Regardez par lui, vous avez un ancien père acheté. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a mené une bonne vie. Il peut commettre des erreurs, mais pas des fautes. Amen. Voyez-vous, parce que les fautes sont punissables et les erreurs également. Et notre religion, c'est la religion du sang. Amen. Vous direz, je ne saurais pas, mais le Saint-Esprit vous y aidera. Amen. C'est possible. C'est possible de mener cette vie de la sainteté. Et le riche de la parole de Dieu viendra. Amen. Pour vous éloigner des mauvais chemins. Amen. Mais demeurez simplement dans la parole. Amen. Amen. Et que ces enseignements donnés par le Fati ne puissent pas entrer dans une oreille pour sortir dans une autre oreille. Écrivez prochainement, écrivez-moi, j'écris. Amen. J'ai écrit, j'ai pris des citations. Parfois, je lui fais si tu m'envoies toutes ces citations. Et puis, j'écris. Posez des questions. Nous sommes des anciens.
Vous avez des problèmes, vous avez des problèmes, posez-les des questions. Amen. Ne soyez pas entre nous. Amen. Mais que Dieu vous bénisse. Dans la prochaine fois, amenez vos Bibles, amenez et amenez les notes, étudiez la parole.
Seigneur Jésus, Dieu de l'Éternel, grand âme, je t'invoque, Père, puisqu'il descend encore davantage. Amen. Sur ce temple appelé Jigou, c'est ton temple, Seigneur. Amen. Tu sais combien il t'aime. Oh, Père, tu connais le niveau de sacrifice. Certes, ces sacrifices ne peuvent pas être comparables. Et c'est un feu de la croix, mais tu lui as dit, Seigneur, de porter, Seigneur, cette croix et d'accomplir, Seigneur, un Dieu de reste, Seigneur, de vivre, Seigneur, un Père dans ce monde de chair, au Père, tu l'as appelé dans ce monde de vivre, pour que tu sois vivre, Seigneur, un Dieu, pour que tu sois un temple de vivre, de vivre, pour que Seigneur, il te soit. Non pas seul, mais avec tous nos enfants. Oh Dieu, alors qu'il a tenu peur, puis qu'il a accordé, il a tenu le cœur, puis le restant de sa vie, la vie de Seigneur. Oh Père, tu prends possession, Seigneur, de ton foyer, de ta famille, et tu peux dire, comme je veux, moi, ma maison, nous sommes venus. Je te le reconnais. Merci pour ce que tu as fait pour la paix. Protège-la encore davantage. Garde-la en parfaite santé. Merci Seigneur pour tout ce que tu as compris dans sa vie. Pour tout ce que tu as compris et pour tout ce que tu feras. Je te le reconnais pour une sainteté de délivrance, de victoire, de grâce et de miséricorde. Tu sois un volontaire du Père. Ramenant au Dieu le péché à toi dans la vie. Remplis les avantages et que ça coupe les portes. Merci Seigneur, je te le recommande pour une vie de victoire, de guérison, de joie et de remplissage. Au nom de Jésus. Amen. Il a fait un sacrifice, il veut bénir les enfants de Dieu comme Abraham. Ne soyez pas pressé pour partir, il y a un carton là-bas. Amen. Amen. Bon, on est arrivé à la fin. Revenez le dimanche, invitez, faites l'évangélisation. Amen. Un seul Natacha, invite maman, qui est venue prochainement. Amen, qui vient poursuivre ses enseignements. Il prendra dans sa vie et famille. Amen. Amen.